cap fait à cause conjoncture politique non année ça dit fait nous songe Jovenel Moïse pas de cap même jambé pour te aller dans la cour de cassation année ça dit fait en présence Jovenel Moïse faut que nous dit selon information yo papa Jovenel Moïse et mouri nous pas gain plus détail dit à aux environs ou bien déjà gagné 90 ans d'après et sa source information fait connaître d'ailleurs c'est président qui dit même annoncé sur compte Twitter côté le rend papal hommage cérémonie fête jeudi mais c'est pas pour tout le monde puisque avocat yo même conseil de l'audio la police t'est empêché yo entrer dans la cour de cassation n'a venu d'abord à cérémonie officielle non 5 octobre blanc et c'est ouverture officielle année judiciaire 2020-2021 à nous connaît qui j'ai année 2019-2021 passé. Yon cérémonie officielle qui était organisée dans la cour de cassation en présence de Jovenel Moïse comme président, Joseph Jout comme premier ministre et puis avec ministre justice dans gouvernement de facto. Dans discours de financier Constance Nan, président la cour de cassation qui c'est tout président CSPJ maître René Sylvestre reconnaître année judiciaire 2019-2021 bon gen l'autre association magistrat qui dit c'était une année gagotée li même dit une année qui était difficile en pile nous connaît tribunal de presque pas fonctionner li dit te gen en pile j'effort qui t'est fait pour te bail justiciable bio justice selon président la cour de cassation ouverture et année judiciaire c'était occasion pour tout un secteur qui concernait pour réfléchir dans niveau responsabilité par yo chaque et puis prendre disposition pour un plus bon année judiciaire selon maître René Sylvestre. Dans les grands rendez-vous de la nation est plus qu'une simple audience. Elle participe de symbolisme très puissant par lequel l'État, à travers l'un de ses pouvoirs, s'affirme et confirme aux citoyennes et citoyens qu'il est présent pour les servir. Elle rappelle à toutes et à tous que la justice est un service public dont les travaux des différents acteurs doivent contribuer à rendre notre État beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace. Cette année, l'ouverture des travaux judiciaires nous invite tous à réfléchir sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Elle nous offre cette belle occasion de nous interroger sur le statut de l'avenir des professions judiciaires. Magistrats assis et debout, greffiers, commis parquet, huissiers, avocats, notaires, arpenteurs et experts judiciaires. Ces professions ne sont-elles pas appelées à se moderniser pour se mettre au diapason des nouvelles exigences de la société haïtienne en pleine crise de mutation et des défis de la mondialisation? Les sacrifices à consentir étant énormes, exigent des actions collectives au-delà des intérêts individuels ou des groupuscules. Si on s'attarde à livrer ces combats dignes d'authentiques haïtiens, on risque à tous de périr ou de se voir viscéralement coller une tutelle. Mais rappelez-vous, chers sœurs et frères, en la patrie bien-aimée, que le conseil de famille ne donne pas toujours à l'incapable le tuteur dont il mérite et qui a la volonté de contribuer à son bien-être et à sa pleine émancipation. En cette journée, chaque professionnel du droit doit se livrer à un examen de conscience en vue de déterminer son degré de culpabilité dans le mauvais fonctionnement du système judiciaire. Je vous invite à cet exercice pour comptabiliser le nombre de fois que vous avez péché, soit par action ou omission, soit par excès, par lâcheté ou par votre silence complice. Je vous convie tous à faire nécessaire mea culpa en prenant la ferme résolution de divorcer d'avec certaines pratiques anticitoyennes et commencer cette nouvelle année sur de nouvelles bases. Le contexte difficile de l'année judiciaire 2019-2020 n'a pas rendu la tâche facile pour le système judiciaire. Toutefois, les magistrats de l'unité de juridiction ont pu fournir un travail satisfaisant. La Cour de cassation a auditionné 65 affaires urgentes et en a prononcé 45 arrêts. Elle a auditionné 116 affaires ordinaires et en a prononcé 77 arrêts. La Cour d'appel du Cap Haïtien a enregistré au rôle un nombre de 38 affaires, 34 arrêts sont prononcés, dont 16 affaires sommaires et urgentes, 14 affaires civiles, 4 affaires pénales.
pour cette nouvelle année judiciaire. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire entend faire de son mieux pour augmenter le rendement du système judiciaire. Pour y parvenir, il entend travailler sur plusieurs actes en vue de permettre aux magistrats de mieux s'acquitter de leurs tâches et aux justiciables de reprendre confiance dans la justice de leur pays. Voilà, c'est le président de la Cour de cassation, Maître René Sylvestre. Et une autre part, il dit le regret des assassinats qui fait sur plusieurs acteurs dans le système judiciaire. Il parlait de juges, substituts commissaires gouvernement, greffiers, avec bâtonnier l'ordre, avocat, porte-prince, Maître Montferrier d'Orval, pendant l'année judiciaire 2019-2020. Il demandait pour une disposition qui prend pour former Mounsa rejoindre justice. Et puis, il demandait pour responsable suspendre et parler, mais agir plutôt pour capable combattre l'action bandit. N'attendons l'autre fois encore, président de la Cour de cassation, Maître René Sylvestre, dans l'occasion cérémonie officielle, ouverture année judiciaire. Au nom de la Cour de cassation, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, et en mon nom propre, je présente toutes mes condoléances à Son Excellence Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, et à toute sa famille, à l'occasion du décès de son père, M. Étienne Moïse, passé à l'Orient éternel. Nous avons une pensée spéciale pour l'honorable magistrat, Stenio Bellevue, qui nous a quittés trop tôt. Le juge de paix suppléant de Gantier, Luxius, assassiné le 7 janvier 2020 à Tabar 52. Le substitut commissaire du gouvernement du parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le magistrat Fitz-Gérald Chérissier, assassiné le 19 juin 2020. Et pour Maître Montferrier d'Orval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, assassiné chez lui à Pelle-Saint dans la nuit du 28 août 2020. Nous estimons qu'il est urgent que l'État prenne les mesures qui s'imposent et se donne les moyens nécessaires en vue de contrecarrer les bandits qui sèment le deuil dans la famille haïtienne. On doit dépasser la frontière des discours pour poser des actes tendants à rassurer les citoyens et traquer les hors-la-loi. On doit, grâce à l'efficacité d'un véritable service d'intelligence, être proactif en vue de cesser de jouer le rôle des services de pompiers qui arrivent souvent fois trop tard. L'appareil judiciaire est une nouvelle fois interpellé. Il doit trouver les auteurs de ces infractions, les poursuivre et les juger. La justice doit demeurer dans notre République, cette femme aux yeux bandés qui prononce le nom du droit, le mot du droit indépendamment de l'origine sociale, du degré de fortune ou de la position politique du justiciable. C'est président de la Cour de cassation, Maître René Sylvestre, sous question violence, insécurité à crime. Et là d'ailleurs des crimes commandités qui fait sous série de monde, tant que Maître Montferrier d'Orval. Et bon côté parle, gagne un commissaire gouvernement dans la Cour de cassation, Maître Carvet Jean, et qui reconnaît tout, situation pas facile, dans ça qui concerne le fonctionnement système judiciaire haïtien pendant l'année 2019-2021, mais il dit paquet a, n'a cité pas de jam chômé pour autant. N'a pas de Maître Carvet Jean, commissaire, bon côté la Cour de cassation, commissaire gouvernement, qui t'es parlé comme ça. Dans un contexte de turbulence sociopolitique, voire de grande commotion sociale, une cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui revêt une haute et symbolique signification, car lorsqu'il pleut, les hirondelles s'assemblent. Le dur constat de l'évasion des ressources humaines jointe à une impitoyable déficience de ressources matérielles accentuées par la difficile conjoncture économique empêche de dresser un bilan positif débouchant sur un satisfait quant à l'œuvre accomplie, en particulier au cours de la dernière session annuelle. Cependant, le parquet n'a pas chômé. En ma qualité de commissaire du gouvernement, près la Cour de cassation de la République, encadrée par cette intrépide équipe constituée de mes collègues substituts, nous pouvons dire avec fierté que nous avons
consenti avec fierté que nous avons tenu le pari. Nous nous métamorphosons comme les diables dans un bénitier. Nous avons consenti de ne point ménager nos efforts pour faciliter la distribution d'une saine justice, circonscrivant nos activités dans le champ d'action qui nous est également et constitutionnellement attribué afin que les justiciables et le monde de la basoche soient constamment frappés par l'impact de cette noble maxime juridique latine, Brus est ars boni et aequi. Le droit est l'art du bien et du juste. Elle doit aussi bien être pratiquée à l'égard de toutes les forces extérieures à la justice, qu'il s'agisse de la société civile, de groupes de pression, de forces politiques, du pouvoir ou de l'opposition. La justice, tout comme la femme de César, ne doit pas être soupçonnée. Voilà, commissaire gouvernement, bon côté la Cour de cassation, M. Carvey Jean. Et puis, il y a un ministre de Justice et de Sécurité publique, gouvernement de facto, M. Rockefeller Vincent, qui était pris la parole tout, dans l'occasion de cérémonie officielle, ça, à côté de renouveler l'engagement gouvernement là-dedans. D'après ça, il dit, n'a pas cité pour accompagner acteurs dans le système judiciaire, pendant qu'il rappelait aux services publics, et services publics, ça, il y aurait la justice, non, pas doué camper. Et gouvernement, d'après ça, il dit, engagé pour remplir mission, n'a pas cité toujours pour justice en fonctionner puis bien, et l'imande CSPJ prend même engagement ça tout. N'a pas tendé déclaration ministre justice dans gouvernement de facto, M. Rockefeller Vincent, toujours dans micro, Vladimir Maurice Ridoué. La justice est pour la nation ce que l'oxygène représente pour l'existence humaine. Plus que le respect du protocole républicain, je crois fermement que la présence aujourd'hui des représentants des lignes structurantes du pays témoigne de cette volonté intrinsèque d'harmoniser nos forces pour contribuer à ce nécessaire renforcement du système judiciaire. Dans la perspective d'une année mieux réussie que la dernière, il est un fait indéniable que l'année judiciaire écoulée n'a pas du tout vogué dans un fleuve tranquille. Elle était émaillée de perturbations de toutes sortes. Elle a dû faire face à la rigueur impitoyable de cette redoutable pandémie du COVID-19 qui met encore la communauté planétaire à genoux. À cette phase, il y a lieu de saluer les efforts absolument remarquables et incontestable du gouvernement de la République avec comme maître à penser son excellent Jovenel Moïse qui a su gérer avec maestria aux côtés du Premier ministre et virtuosité cette crise sanitaire et sauver conséquemment des centaines de milliers de vies. Pour la continuité sans interruption du service public de la justice, il est venu le temps de reprendre le boulot. J'aborde, en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, cette année judiciaire avec une détermination sans faille. Laquelle détermination me pousse à lancer un appel à responsabilité à tout un chacun. L'exécutif s'engage à remplir sa partition. Je demande donc au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de jouer la sienne. Cette entente interinstitutionnelle est indispensable à une bonne administration de la justice. Priorité doit être accordée en tout temps aux judiciables. Leur droit d'accéder à la justice ne peut être plus banalisé, car il s'agit d'un droit fondamental. Le ministère de la Justice sera à l'écoute de tous les parquetiers
de tous les greffiers, de tous les commis parquets, de tous les huissiers. Cependant, le service continu de la justice ne doit pas être suspendu. Voilà, ministre justice, mais nous connaissons depuis combien de temps, le tribunal n'est pas qu'à fonctionner, là, c'est pas pour les insécurités, tant que non, ça y aurait les palais de justice, pour tout présent, façon de parler, dans le bicentenaire, à cause de gangs qui achètent les zones dans l'argent comptant, c'est grève qui a fait dans le système, non, tant que greffier, qui a pris des plus bonnes conditions de travail, et justement, il n'y a pas une réponse dans l'État à travers le ministère de la justice. Et c'était Maître Rockefeller Vincent, ministre justice, tant que tu as parlé comme ça. Et puis, il y a un ancien Premier ministre, Maître Jean-Henri Seyan, qui a participé dans la cérémonie, ça, mais il était obligé de quitter, d'après ça, le dit, en dedans la Cour de cassation, à cause de ne pas quitter avocat, entrer pour venir participer dans la cérémonie officielle. Ancien Premier ministre a dénoncé ça qui a passé, dans l'occasion ouverture officielle année judiciaire. Attendez, ancien Premier ministre Jean-Henri Seyan, qui t'a parlé comme ça, sous un micro Radio Kiskeya, un micro reporter nous, Vladimir Maurice Idoé. Je ne sais pas si je comprends ce qui a passé, parce que on est normalement, c'est ouverture des tribunaux, ouverture des tribunaux, c'est pour les avocats. Et il est interdit que l'avocat est rentré là. C'est vrai que Batonier a demandé pour tout avocat sorti. Bon, évidemment, c'est bon en place officielle, mais aujourd'hui, je suis plutôt avocat, c'est ça que je me disais de là. Ok, ou de l'homme, ou de l'homme, pour arrêter la cérémonie, on va aller dans ce sentier que c'est pas atmosphère ça, maintenant que l'on cherche, pour nous fonctionner. C'est pas atmosphère ça que l'avocat cherche. Ce n'est pas normal que l'avocat vienne dans l'ouverture de la tribunal interdit d'entrer. Est-ce que ça a dit que je fais par exemple une situation comme ça? La première fois, les avocats sont toujours là, les avocats. C'est pour les avocats l'ouverture de la tribunal. Ils ont fait le travail qui va l'ouvrir d'ailleurs. C'est pas qu'empêcher, c'est que nous avons des chapeaux, nous sommes un premier ministre, c'est pas notre avocat, nous sommes politiques, tout. Qui est l'interprétation politique à qui selon nous-mêmes? Je veux dire, c'est simplement avocat. Nous sommes juristes, qui est l'interprétation. Bon, on peut même penser que ça dénote le malaise qui vient entre les différents pouvoirs, et ça dénote tout, une mauvaise gestion qu'a fait des problèmes de chez nous. Là, je veux dire, là, ça va dénoter du tout par rapport à l'atmosphère qui vient déjà. Je veux dire, tout le monde, c'est de comprendre, c'est une ouverture très particulière à un moment très difficile qui peut être préparé pour préparer ça qui est là. Ça qui est là, il va belle pour nous, il va belle pour personne. Tu vois? Et nous comprenons l'avocat, l'ouverture des tribunaux, c'est pour les avocats, on ne peut pas dire qu'on va entrer. Il y aura effectivement les officiels, ça. C'est une cérémonie, c'est un gros bagage symbolique qui est, tu vois? Mais c'est style et d'addiction, ça, nous comprenons que l'avocat ou refusé à assister à la cérémonie. Comment pour nous faire légitimer que les officiels, que les autorités prennent leurs responsabilités en main pour ne pas quitter des rives. En fait. Ouais, là, ce n'est pas nécessaire pour nous dégager ça matin. C'est tellement simple que nous organisons entrée des tribunaux, ouverture des tribunaux, après la mort de M. Doral. Il fallait au contraire présenter la chose de telle sorte qu'on s'attire une sorte de réconciliation qui a été faite entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Voilà, ancien Premier ministre, notaire Jean-Henri Seyan, qui a quitté la Cour de cassation, justement. La police semble recevoir l'ordre, puisque selon président Bao, Fédération Bao d'Haïti, Maître Jacques Le Temps, il dit que c'est la Cour de cassation qui a empêché d'entrer. Et dans l'occasion de cérémonie, ça qui t'a fait en présence président, premier ministre, ministre de justice, avec plusieurs autres personnalités, avocats, avec membre conseil de l'audio, et pas participer dans l'ouverture année judiciaire, j'en sais ça qu'on fait chaque année, à cause URGPN, avec l'autre unité dans la police, qui est déplotonnée dans l'espace de la Cour de cassation, pas permettre avocats yo gain accès pour entrer pour y aller participer. Dans la cérémonie officielle, là, ça a été soulevé et colère. Yo, yo considéré action ça, tant que yo malhonnête, yo fait corporation, bâtonnière à Ilod, avocat Port-au-Prince, Maître Marie et Suzy Le Gros, et secrétaire conseil Lord, avocat Maître Robinson Pierre-Louis, à quelques autres avocats, pas de cacher colère. Dans micro, reporter nous, Vladimir Maurice Idoé.
Yo pas quitter l'entrée, yo pas quitter l'entrée dans la cour de cassation. Yo dit n'a vinn faire des ordres. N'a tande dehors là comme nous te manifestation pas nous pour faire dehors. N'a tande pour partie manifestation nous dehors. Message nous te délivrer en dedans. Parce que normalement réouverture des tribunaux, nous tande moi c'est des tribunaux, c'est pas réouverture ni de marché, ni de l'hôpital, ni de restaurant, c'est ouverture des tribunaux. Donc qui est-ce pour des tribunaux? C'est avocat pour là, ou pas quitter avocat. N'a baï n'a pli et message nous, baï la presse, mon cap pas jamais les personnes entrer. Donc ça c'est décision président cassation hein, qui dit nous que nous pas entrer. Ça qui doit là c'est que et comme c'est accusé avocat dit avocat yo, yo pas quitter rentrer parce que on va le déranger en dedans, on va le craser en dedans, on va le faire des autres. Donc pour qui ça? Mais on gagne pour se faire président, président venir, président pas quel rapport avec baï qui se ouverture des tribunaux. Donc puisque avocat yo que le tribunal est libre, tout le monde doit pour entrer. Donc il pas possible pour venir bloquer avocat au devant barrière là et comme si son pas traqué. Yo pa vle rentrer en dedans alors que yo gen droit pour yo rentrer. Nous même comme membre conseil nous t'es d'accord parce que nous t'es gen nous gen discours pour nous faire, mais en même temps comme l'entrée est libre nous pas gen pour nous contrôler ça. Yo t'es gen limité dans membre de conseil yo que nous d'accord nous pas la gen problème, mais avocat libre pour l'entrée, mais yo bloqué au moins yo t'a quitté tout monde rentrer. Les rive en dedans yo t'a dit ah pas gen place, yo ka aménager l'autre espace pour tout mettre écran, tout monde est capable de suivre. Donc on a décidé depuis d'en haut devant sous place là en l'air, USGPN, barré avocat, dit non, nous n'avons pas droit, nous n'avons pas accès à la Cour de cassation. Même si c'est ridicule. Et c'est seulement le juge qui a invité. Et bon, c'est le président qui a lancé l'invitation. Et nous trouvons que USGPN, je ne sais pas qui est ce qui commande USGPN. Est-ce que USGPN est attaché à la sécurité de la Cour de cassation ou au palais? Donc ça vient créer une confusion et nous demander. Et n'a dénoncé et ouvertement que de ça inacceptable. Bâtonnière a été doué entrer dans cassation et agent USGPN interdit de l'entrée. Donc ça, c'est un bagage grave que lié. Nous ne connaissons pas l'IGPN à sécuriser cassation. Nous connaissons pour parler national que lié. Donc nous ne connaissons pas la grave. Nous ne connaissons pour qui ça. Tout simplement, ils ont interdit nous entrer. Ça, c'est une violation par rapport à décret régissant la position d'avocat. Non seulement bâtonnier a été doué prendre la parole dans le cadre de l'ouverture des activités relatives à tribunal. La police là. Et encercler tout avocat avec gros âmes, n'a pas demandé à qui intention, puisque c'est avocat nous, c'est auxiliaire de la justice. Nous croyons que ça a passé à la montre à clé que, et bien, effectivement, et bien, nous voyons en place la carte pour avec l'amour de Doval. Faut que nous disions, nous allons faire ça pour empêcher Bâtonnière d'entrer pour participer dans la cérémonie officielle qui a fait dans l'ouverture année judiciaire. Et faut que nous disions tout depuis un mois. Côté que avec assassinat et mettre mon ferré d'or là, avocat yo nous capable di toute tendance mette ensemble qui pas accepter assassinat ça a exigé et pour jeune justice pour mettre mon ferré d'or, donc pas en hauteur en odeur de sainteté bon côté système qui existait à quoi li là. Et devant situation ça, bâtonnier AIA mettre le gros t'es obligé faire discours t'es droit faire en dedans dans cérémonie officielle là devant barrière la cour de cassation. Dans moment il t'a fait discours bâtonnier à hier t'es gain avec lui un groupe avocat qui t'est campé devant barrière la cour de cassation avec banderole et puis pancarte dans main yo pour réclamer justice pour bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince assassiné 28 d'août qui se passait là mettre mon ferrier d'Orval la Kaili dans pèlerin 5. N'attend des bâtonnier à hier mettre le gros qui te parle comme ça dans le micro, Vladimir Maurice Ridoré. La commission de l'ordre oratoire était chargée de la réorganisation ou de l'encadrement du concours, des procès simulés et de toute autre activité d'expression orale. Le bâtonnier d'Orval était surtout interpellé par l'excès de facilité de langage de ceux qui sont considérés par leur profession comme vire, police, système différent. Ainsi, l'école du barreau devrait dédier une partie de son curriculum à l'apprentissage de l'éloquence. Rien ne devrait être étranger à l'avocat. La commission de la vie socio-culturelle et du sport
occuperaient respectivement des activités de musique, de danse sociale, de football et d'autres disciplines sportives. Même si la coopération internationale demeure le domaine réservé du bâtonnier, vous n'avez pas hésité à confier la présidence de la commission de coopération internationale à un membre de l'équipe pour parvenir à de meilleurs résultats. Sa place de prédilection serait celle d'un coach qui veut s'assurer du fonctionnement régulier et efficace des 9 commissions d'équipe. Le bâtonnier d'Orba, au moment de présenter les missions, les membres de la commission scientifique à la cérémonie du mercredi 26 août, disait que le droit n'est pas seulement une technique, il est aussi une science. En d'autres termes, il ne se plaide pas, il est aussi réflexion, recherche, méthode. La dimension scientifique du droit n'échappe pas aux barreaux de Port-au-Prince. La mission de cette commission était entre autres d'œuvrer à la production et à la transformation du droit. Grâce à ces démarches, le rectorat a créé la chaire Montferrier-Lorval et des maîtrises en droit public, en droit privé, droit pénal et criminologie sont ajoutées au programme de l'Université d'État d'Haïti. Hautement préoccupé par la prolifération des décrets droits du pouvoir exécutif et très attentif aux nombreuses critiques de quasiment tous les secteurs de la vie nationale, le bâtonnier d'Orval, un chercheur a fait appel aux lumières des compétences du barreau, alors que le regroupement de ceux-ci autour d'un chef commun semble inciter au génocide. Les massacres de la Saline, de Bélair, de Carrefourfeuille et les exécutions sommaires en d'autres quartiers marginalisés sont indiciels. L'épiphénomène de la destruction des infrastructures, notamment les matériels roulants de l'État, interpelle sur la gouvernance de l'État et de la justice. Je m'insurge à nouveau contre l'intervention des autorités gouvernementales, d'institutions indépendantes, comme une entrave à l'enquête ouverte de l'assassinat de notre bâtonnier. Est-ce pourquoi, en ma qualité de bâtonnier ad interim, je requiers du président de la République une suite favorable à la demande de création d'une commission d'enquête indépendante, aussi en soutien de la procédure criminelle en cours. Il nous faut 1 000 ans pour avoir un autre bord. Voilà, c'est bâtonnier AIA, maître Marie-Suzy Legault, qui était le discours de pour te prononcer dans la cérémonie officielle là, dans la Cour de cassation, dehors, devant barrière la Cour de cassation, puisque il n'y a pas de quitter entrée, la police t'a empêché d'entrer, mais semble la police t'a recevoir l'ordre. Puisque le président Fédération Barreau d'Haïtien, maître Jacques Le Temps, dénoncer décision, il dit la Cour de cassation prend pour empêcher avocat Barreau Port-au-Prince participer dans la cérémonie ouverture année officielle là jeudi. Selon bâtonnier l'ordre avocat Kotoyo, avec décision ça, rentrée année judiciaire pas de fête dans Port-au-Prince selon lui-même parce que protocole la vraie faut avocat présent pour participer dans assemblée. C'est ça le déclaré dans micro Radio Kiskeya, maître Jacques Le Temps dit l'attente CSPJ by explication sous décision qui prend pour empêcher avocat Barreau Port-au-Prince participer selon protocole là dans cérémonie ça. Maître Le Temps fait connait li apprendre président la Cour des comptes là qui te vienne participer dans cérémonie, te quitté salle là tout, une façon pour te capable faire solidarité ak avocat pas capable entrer. N'a pas de maître Jacques Le Temps qui te parlé comme ça dans micro Vinner Joseph. Apprendre avec beaucoup d'amertume ce qui s'est passé dans la cérémonie de rentrée judiciaire à Port-au-Prince, côté que je dis que les avocats n'ont pas été autorisés à pénétrer la salle d'audience. J'étais simplement limité invitation à 3 membres du conseil de l'ordre. Je trouvais que son aberration était inacceptable parce que la rentrée judiciaire, c'est l'affaire de la justice. Quand je parle de l'affaire de la justice, c'est les magistrats et les avocats. Et d'ailleurs, c'est une audience publique liée, tout le monde y a fait avec. Bah, qui t'a calé? Bon, même si j'étais capable de prétendre un protocole sanitaire, mais ça n'a pas capable de réduire à minima le nombre des avocats assistés à cette cérémonie. Donc, je me trouve que c'est vraiment entamé la question d'état de droit, parce que pas à comprendre que pour une cérémonie judiciaire de cette envergure, vous n'y faites pas avocat. Donc, je pense que le CSPJ, en tant que pouvoir judiciaire, en tout cas, je dis, c'est vraiment un gars. Moi, j'espère qu'il y a des explications par rapport à ça que je veux. Et puis, moi, j'espère tout à l'avenir, à prendre des dispositions pour éviter que là, il y ait des malentendus, il y ait des bêtises à l'arrivée encore. Des policiers qui étaient devant la barrière, là, ils ont dit au recevoir l'ordre du président de la Cour, maître René Sylvestre, pour empêcher l'avocat de rentrer dans l'enceinte et salle d'audience. Mais je suis en pour, mais ça, moi, pourquoi pas la président Sylvestre, ça, c'est pas la veille pour qu'on ait les tenants aboutissants de cette histoire. Qu'est-ce qui.
aurait poussé les policiers à agir de la sorte. Est-ce qu'effectivement, ce sont les gens qui recevront ou bien c'est eux-mêmes, pas eux-mêmes qui décident ou restreignent accès à l'avocat en salle d'audience qui, en général, c'est le salon des avocats. Et c'est inédit dans ces cérémonie comme protocole qui toujours gagne pour la rentrée judiciaire. Oui, donc il y a ça, le protocole là même. Ça veut dire que pour moi-même, je dis à la rentrée judiciaire, il n'y a pas de porte-point. Parce qu'il n'y a pas qu'à faire ça avocat, il n'y a pas qu'à faire avec le pouvoir exécutif dans le corps des avocats. Et pas dire que chaque côté qui a un magistrat, il faut qu'il y ait au moins des avocats. Et d'autant plus que la rentrée judiciaire, en tout cas, si tout avocat a dit, après la carrière, parce que ça, ce n'est pas la justice, ce n'est pas le travail. Donc, ça, il y a la justice, je vais avoir ça sans le concours des avocats. Donc, moi-même, je pense qu'effectivement, c'est un gros gap qui fait là aussi. Et moi, espérer que la Cour de cassation, les CSP en particulier, a tiré des soins de chaque passeur. Voilà, c'est président Fédération BAO d'Haïti, M. Jacques Leton, qui s'est bâtonnier l'ordre avocat Koto, et au Koto dans le sud, qui t'a répondu à une question, et collaborateur nous, Vilner Joseph, et puis tout le président de l'association professionnelle magistrat, et juge Wando Sevillier, qui regrette, c'est comme ça, année judiciaire mal dérapée. D'après ça, le fait qu'on est, et doyen tribunal première instance Jacques Mella, dit autorité n'a pas manifesté aucune volonté pour porter solution par rapport à revendications diverses entités qui ont travaillé pour permettre un tribunal de fonctionner comme ça droit. Et dans l'interview, ça, il y Radio Kiskeya, et d'attendre qui t'a parlé dans le micro, Vilner Joseph. Ça qui a attiré l'attention et nous avons souligné, c'est que contrairement avec d'habitude, année judiciaire, ça, l'Italie est marqué en grande pompe dans toutes les juridictions. Quand il y a deux cérémonies traditionnelles qui sont dans presque tout tribunal de première instance, excepté côté qui gagne un cour d'appel, c'est dans le cour d'appel qui est fait, avec côté tout qui gagne la cour de cassation comme bon, au principe, la cour de cassation, c'est dans la cour de cassation qui est fait dans le cour d'appel avec le tribunal de première instance. Non? Mais il y a plusieurs côtés en province, côté cas de cérémonie sale, par exemple, à cause de grève greffière. Donc, nous regrettons que, encore, année ça, cérémonie organisée, et de même que l'année dernière, il y a trop de politique qui était fait que pas gagner et gros. Qu'aucune chaîne cérémonie traditionnelle. Ça. Alors que c'est un problème qui était capable de résoudre, problème greffier, qui est en grève depuis 2 mois. Et je crois que c'était une volonté de la part du ministère de la Justice, qui a peut-être une issue favorable à grève ça, qui a fait que l'année a pas commencé son fond de crise immédiatement. Donc, dans la semaine, ça même, tu as bien activité qui commençait à reprendre effectivement dans différentes juridictions. Quelle perspective qui gagne pour nouvelle année, puisque nous on est début 2018, le système judiciaire là censé bloqué, donc en 2019, nous en 2020, par rapport à tout ça qu'on a gagné qui gagne déjà. Et qui perspective pour nouvelle année d'après vous-même? Il faut nous souligner tout que autre que grève greffière, nous avons un paquet de jugements d'ailleurs pour que j'aime renouveler, contrairement avec engagement que l'exécutif là fait prendre, notamment le président de la République là. Pour le renouveler mandat juge. Et ça va avoir des conséquences très graves sur l'année judiciaire, ça, si on va renouveler bonheur dans l'année, parce que par exemple, pile côté, et cabinet d'instruction a manqué juge. Et ça peut aggraver tout la détention préventive prolongée. Et en même temps, différents problèmes en termes d'infrastructure judiciaire, différents problèmes en termes de moyens de travail ont toujours existé. Donc, ça qui vient comme perspective, donc en réalité, je ne crois pas que la justice lisse une priorité, le gouvernement, budget et qui sont adoptés ont traduit ça. Et ça, nous-mêmes, nous avons souhaité au niveau de l'association professionnelle des magistrats, c'est à gagner tranquillité, à gagner calme pendant l'année judiciaire 2020-2021. Ça va permettre à ce que le tribunal ait plus ou moins fonctionné. Mais, et toujours est-il, au niveau de l'État, pas gagner un plan, pas gagner une politique publique réelle pour permettre à ce que le système judiciaire a été modernisé pour qu'il soit capable de commencer à répondre véritablement avec attente population, besoin population en termes de justice. Ton protocole qui est toujours établi, un traditionnel qui est toujours fait, et chaque rentrée judiciaire et conseil de l'ordre qui a dirigé Baroui, toujours présent dans la cérémonie, Anéissia, dans la Cour de cassation, conseil de l'ordre par exemple participer dans la cérémonie. Bien entendu, ce qui est particulier avec l'assassinat du professeur bâtonnier, maître Monseigneur Dorval. Côté que, au niveau de Barreau de Port-au-Prince, d'après toute information que nous avons gagnée, et d'après ça, il a été dit dans la presse, c'est de une marche qui est organisée pour exiger justice pour bâtonnier qui lâchement assassiné dans ce mois d'août-là. Événement ça, et qui, et pour aller expliquer marche qui est gagnée aujourd'hui,
Et c'est peut-être raison qui expliquait que le Conseil de l'ordre n'a pas participé, côté, comme d'habitude, dans l'entrée judiciaire là, à la Cour de cassation. On a parlé du Conseil alors, de l'ordre, mais pas au président. Alors, il était venu, mais il était empêché ou entré dans l'espace. Je me dis, c'est inédit parce que c'est une activité qui est ouverte avec non seulement magistrats, juges et commissaires du gouvernement, personnel judiciaire, mais et surtout avocats qui sont des Voilà, c'est président association et professionnel magistrat, juge Rondo Sévillier, non micro Vilner Joseph. Non, actualité internationale, la premier coup de peine à peine dans le pays États-Unis, côté ce président Donald Trump lui-même qui a annoncé la quitter l'hôpital militaire côté l'IEA, jeudi à 6h30, en conférence pour la presse, et batterie médecin qui souligne dans l'hôpital militaire, ça, rencontré la presse, et estimé que ça va vous dire pour eux-mêmes que le président guérit, même s'il a quitté l'hôpital là, à Soya. Et président américain Donald Trump qui a annoncé la quitter à Soya l'hôpital là, peut-être pourquoi guérir, pourquoi tirer le d'affaire, pourquoi sauver net. Et d'après ça, médecin et Maison Blanche non précisé dans conférence pour la presse. Même si il est capable pour totalement sauver en bas maladie, hein, et qui plan ensemble avec moi-même, nous d'accord et que tout examen et surtout Jean ouais état santé clinique lié permettent que le capable retourner en toute sécurité la caillerie avec dit Maison Blanche selon docteur Sin Conley. Faut que nous dit Donald Trump pas supporté pour rester trop longtemps dehors Maison Blanche. Non. D'ailleurs, hier était dans la rue, non machine blindée pour t'ap saluer partisans qui étaient campés à ribon l'hôpital là, ça que un pile monde critiquait aux États-Unis, il dit que li imprudent, il a exposé la vie collaborateur lui pour grand merci. Et gon paquet phase, il pour capable éclaircir dans ça qui concernait ça capable arriver si président ta pas ta guéri et trop pressé et puis dit pas chiment. Et médecin Donald Trump yo dit quand même yo gen espoir et sous état santé mais il a prêté très 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 vigilant et il a suivre toute évolution parce que yo dit gen un certain problème qui pourquoi gen réponse faut que ouais si état santé rete même jusqu'à jeudi et puis demain et s'il a continué à améliorer et dans moment ça me penser que oui on cap nous capable et soulager d'après ça Sin Conley est déclaré devant la presse nous pral faire une façon pour capable continuer et recevoir tout et ça nous porter balian et tout traitement yo d'après ça médecin président américain déclaré la bénéficier soins médical et classe mondiale 24 heures sur 24 d'après ça médecin en chef Maison Blanche non la poursuivre pour dire il fait connaître certains en traitement yo bay président Trump yo et c'est des expérimentations ils avaient dit tester et Donald Trump qui gagne 74 ans sous tête il était entré dans l'hôpital vendredi soir après il était fini passer test covid là et dans jeudi soir côté il était découvert il était gagné maladie ni madame ni madame ni était dans Maison Blanche non Melania Trump parler jeudi à pour dire il sentit bien. Président Jovenel Moïse en deuil, il perdu papal monsieur Étienne Moïse qui mourit la caille au Cap Haïtien. Nous pas gagne trop précision, gagne certaines sources qui parlaient de l'âge de 90 ans mais toute recherche nous fait nous pas gagne trop détails ni nous pas connaître tout s'il était malade. Maintenant si au Constance nous présenter président Jovenel Moïse condoléances lui-même ak famine et ak tout alliel et tout monde deuil ça affecté. Quoi proverbe l'a dit, les gens qui mourit, c'est tout le monde qui mourit. La mort d'un homme, c'est la mort de l'homme. Dans le moment, on a fait face à un paquet de morts dans le pays. Hein? En pile deuil, en pile souffrance, tant que nous prenons le temps de maman Grégory Saint-Hilaire. Imaginez une malheureuse qui arrivait, élever un petit monde dans le quartier populaire. Pour lui faire toute classe, il fait 14 ans d'école. Après ça l'entrée dans l'université côté li faire licence li kounye la li prend route pour la faire maîtrise li et la faire revendication parce que si li formé l'état formé dans l'école normale supérieure qui t'a supposé la former professeur pour enseignement secondaire c'est normal pour ta tout gagner place li comme professeur de saisi tendez dernièrement ministre éducation nationale là
et monsieur José Agenor Kadek te dit que yo pas une obligation pour yo nommer étudiants qui sortent dans l'école normale supérieure pendant t'a parlé de plusieurs dizaines milliers professeurs qui pas formés gouvernement nommé. C'est vraiment un paradoxe. Alors ce que nous dépensons, moi-même, c'est l'école normale supérieure qui était là pour former et professeurs pour enseignement secondaire. Donc, Grégory Cetilaire, 29 l'année, nous imaginez ça, ça représentait pour une famille, non pays aussi difficile que le pays d'Haïti, côté ces familles qui a financé l'éducation petite, sans aucune aide l'État réel, et pour tout le monde arriver dans l'Aïssa pour perdre la ville, bêtement, gens que ça passait vendredi soir. Et qui est-ce qui touye? Yon jeune, même Javel probablement, parce que là a bien gardé profil moun qui nan USGPN kounen ka joué rôle de garde présidentiel qui pensait que yon gen pouvoir passer tout moun souwe dans la rue, a menacé tout moun. Le président pourquoi passer ou bien sou ta gen malheur le moment président pral passe ou passe à machine ou y a menacé ou? Et bien qui est-ce yon? Petit peuple yon yon, même Jean Grégory, et je ne jodia, un jeune, même Jean avec yon. Alors que nous avons une idéologie de jeunesse qui a développé dans le pays, hein? Eh bien, on va garder ces jeunes garçons qui a vidé jeunes garçons à terre. N'a pas de maman ça qui m'a arrêté avec plusieurs codes pour être capable d'aller garder cadavre petit samedi dans la cour, l'école côté où tu touye là. N'a pas parlé de l'école normale supérieure puisque nous connaissons cadavre là, tu voyagé dans la ville là pendant vendredi soir et étudier ont décidé pour te mener tourner aller dans l'école normale supérieure. Un crime USGPN fait jusqu'à présent ne pas recevoir aucune note gouvernement et ça fait gagner professeur qui réagit depuis samedi dit pas rien y a attendre dans le gouvernement illégal illégitime ça c'est peuple qui pour connait qui ça l'a fait n'attendez maman Grégory Cetilaire qui t'ai parlé comme ça dans micro journaliste qui était là parmi eux représentant Radio Kiskeya. Voilà, c'est douleur maman, maman Grégory Cetilaire,
et nous connaissons douleur maman Mikal tout qui jeune agronome ça et que policier dans bim touyé dans zone la plaine et pas jamais rien qui dit la police tant pas paraît une note pour dire rien concernant crime ça qui a fait grand la journée. Gagné réaction nous continuer enregistrer concernant crime qui fait sous Grégorian et tout commissaire gouvernement Port-au-Prince non et qui écrit d'abord écrit directeur central police judiciaire et commissaire gouvernement Port-au-Prince AIAN bon côté tribunal première instance dans Port-au-Prince qui écrit monsieur et Frédéric Lecomte qui c'est directeur central police judiciaire de CPJ et pour l'imandel pour diligenter une enquête et pressé concernant incident ça qui fait dans local l'école normale supérieure dans après-midi 2 octobre côté étudiant Grégory Saint-Hilaire mouri en babal donc il pas précisé origine balle là et donc il mandé li instruire pour mettre toute et capacité yo pour en œuvre pour capable faire lumière et sous crime ça et chercher identifier qui est ce monde qui fait crime là qui est ce qui dans complicité avec pour yo capable voyer devant la justice c'est maître du Carmel Gabriel qui commissaire gouvernement à Port-au-Prince qui signe lettre salivon l'autre tout et pour demander autopsie sous corps c'est directeur institut médico-légal docteur Armel Demorcy qui écrit commissaire gouvernement à IAN, bon côté tribunal première instance Port-au-Prince non écrit et directeur institut médico-légal là docteur Demorcy pour lui demander pour lui retirer et balle qui dans corps Grégorian pour faire autopsie cadavre étudiant Grégory et Saint-Hilaire qui mouri en bas balle dans local l'école normale supérieure jour qui était 2 octobre 2020 en après-midi c'est toujours maître et du Carmel Gabriel magistrat commissaire gouvernement AI qui signe deux notes ça mais nous pas recevoir que note qui sorti dans gouvernement et sous ça passé et la police non il pas dit c'est la mener enquête de façon capable dit indépendant parce que gain une institution qui l'a pour ça et qui inspection générale là ni sous sa bim de fer ni sous l'homme ça URGPN bien université l'état d'Haïti qui rectorat qui dénoncé puis condamné assassinat étudiant Grégory Saint-Hilaire rectorat université l'état d'Haïti dit que li indigné face à Zak atroce qui pa gen non ça qui fait jour qui 2 octobre 2020 dans l'école normale supérieure ENS et qui la cause la mort étudiant Grégory Saint-Hilaire rectorat dénoncé à toute force et puis condamné Zak gros poète ensemble avec un climat et tout pour faire ça au pipito une autre fois encore qui vini une autre fois qui trop si men deuil dans société haïtienne là rivé deuil ça juste en dedans université là une fois encore université l'état d'Haïti en deuil et nous pour quand même fini crier pour professeur Moferier Dorval ni pour étudiant Mikal ni pour les autres yo jusqu'à là n'a continuer toujours à compter cadavres dans mitan nous ces questions ça rectorat a posé rectorat a présenté sympathie et solidarité by famille avec toute proche Grégory Saint-Hilaire li engagé pour l'accompagner dans et possibilité pal et rectorat dit li partager dans même occasion douleur et toute faculté ça l'école normale supérieure et qui particulièrement affectée par événement ça rectorat dénoncé tout du feu qui éclaté 24 heures de temps après en dedans bibliothèque l'école normale supérieure qui la cause de faire gros ped dans série de livres et yo fait acheter pas trop longtemps et qui c'est un gros ped pour recto et pour université et il dit que nous capable imaginer ça veut dire non pays côté pas grand pile espace savoir côté pour monde lit côté pour monde joindre livre outils pour capable et apprendre pour gagner connaissance et côté que c'est des espaces qui très rare et dans université qui dans situation a fait pas bon dans ça qui concernait matériel très précaire
et puis journée jeudi après mettre du feu dans bibliothèque là rectorat dit aller crayon ni marqué diverses déclarations officielles li dit qui fait qui annoncé à ouvrir une enquête et que tout pour la demander li dit que si au constance qui la cause événement terrible ça que fait lumière sous dit sans passe pour qui et non délai qui pas long deuxièmement responsabilité dans ça qui concerne crime ça que yo fixé et moun qui fait crime avec tout moun qui dans confio loi avec quel que soit ça yo yé pour yo remettre yo bay la justice normalement pour yo al répondre de ça yo faire rectorat remercier toute sympathie toute solidarité yo voyé pour l'école normale supérieure pour université l'état d'Haïti dans tragique circonstance ça rectorat profiter pour lancer appel bay autorité yo qui gen compétence pour ça pour bay preuve que yo a pas levé pied rapidement pour prouver que pas d'accord avec ça qui a passé et pour combattre de façon efficace mon Ivina Moussa qui a soulevé un petit débat dans pays la France parce que c'est d'abord Marine Le Pen qui était employé et puis après ça le ministre intérieur français a connu la cap utilisé les ensauvagement et qui fait société a cap vienne plus sauvage et qui journée jodi a valé terrain dans pays qui rive juste dans mi-temps tout personnel institution qui là pour protéger et puis pour servir citoyen yo quel que soit statut yo quel que soit l'idée yo et c'est dans on note rectorat université l'état d'Haïti gagnent tout protecteur citoyen OPC protecteur citoyen condamné zak en violence et qui a fait sous l'école normale supérieure ENS l'après-midi 2 octobre là et attaque sa yo qui fait sous entité dans université d'état d'Haïti qui chita dans rue Monseigneur Guillaume pas tellement loin palais national la cause la mort et qui fait avec violence sous étudiant Grégory Saint-Hilaire OPC rappelé selon sa la loi dit espace universitaire là et constitution li inviolable et li doit bénéficier protection quel que soit circonstance là dans main autorité qui en chargé pour assurer protection la vie ak bien dans pays là OPC salue démarche inspection générale police non li dit qui annoncé yo ouverture enquête nous ne pas recevoir notre ça et sous événement vendredi et 2 octobre là pour capable déterminer degré responsabilité OPC souhaitait que moun qui fait crime qui assassiné Grégory Saint-Hilaire là que yo identifié et traîné devant la loi pénale et en plus de ça sous crise qui a souqué l'école de droit ak science économique gonaïve là OPC encourager responsable nan entité ça nan UEH nan qui est placé en bas contrôle administratif rectorat université a pour rejoindre non délai qui pas trop long une solution rapide avec rectorat nan intérêt plusieurs milliers étudiants nan l'école ça qui fait un pire sacrifice pour une année académique 2019-2020 qui est très difficile mais qui doit gain accès à une éducation de qualité acceptable et puis qui adapté à norme académique yo. C'est protecteur citoyen Renan Edouville qui signe note ça. Gen tout parti politique rassemblement social démocrate pour le progrès RSD, principal dirigeant c'est professeur Victor Benoît, mais ça dit coordination nationale parti rassemblement social démocrate pour le progrès d'Haïti RSD condamné à quand toute force l'assassinat qui fait sur étudiant l'école normale supérieure ENS Grégory et Saint-Hilaire et qui mourit en bas balle unité sécurité générale palais national USGPN et en dedans l'école normale supérieure ajouté vendredi 2 octobre en bonne c'est un souhait RSD Dimitrice le l'a gardé Zack qui pas gain non ça qui fait et retirer chapeau devant corps Grégory étudiant ça qui assassiné de façon lâche il présenter condoléances li by tout monde qui affligé en bas deuil regrettable inacceptable ça assassinat Grégory Saint-Hilaire là en dedans l'école normale supérieure c'est une violation droit monde liberté pour monde parler garantie constitution pays d'Haïti à convention internationale yo bay peuple haïtien RSD rappelé tout agent USGPN yo qui c'est la police yo son seule mission c'est sécuriser palais national et concerne RSD mandé inspection générale police d'Haïtien pour agir et pressé pour bail famille Grégory Saint-Hilaire justice qui assassiné en bas balle agent USGPN
qui dépassait limite, qui passait constitution à tout règlement la police en papier. Fini pour dire solidarité et toute famille et en dedans université d'État d'Haïti, toute famille universitaire là. Donc c'est Javeline Saint-Albor, présidente en après, avec Sylfran Michel, secrétaire général Rassemblement social démocrate pour le progrès d'Haïti RSD qui signait notre ça. Ou toujours sous Radio Kiskeya, ou à suivre journal 4h et jeudi a te gagné une manifestation dans la rue Port-au-Prince et c'est barreau Port-au-Prince qui a organisé manifestation ça on marche pour demander justice pour mettre mon Ferrier d'Orval yon mois passé depuis été assassiné la Kaili mais ça a commencé devant la cour de cassation pour te al bout devant cabinet mettre mon Ferrier d'Orval avocat yo te gen l'autre monde dans population qui t'ai participé dans marche ça pas te mettre de l'eau dans bouche pour dénoncer crime sans pareil ça qui fait sous bâtonnière et bâtonnière a hier madame Marie Suzy Le Gros était délivré au message final et puis dénoncer indifférence autorité yo face à crime qui continue à faire ça fait sous bâtonnière qui sont crime commandité mais divers autres crimes qui commettent dans pays parmi eux assassinat étudiant l'école normale supérieure Grégory Saint-Hilaire n'attendez bâtonnière à IA mettre Marie Suzy Le Gros qui te parlait comme ça dans micro Vladimir Maurice Hidoué. Nous ne contenterons pas des exécutants qui sont les auteurs intellectuels. Monsieur le commissaire du gouvernement, n'êtes-vous pas le maître de la poursuite? Monsieur le ministre de la Justice, n'êtes-vous pas le maître d'œuvre de la politique pénale? Monsieur le Premier ministre, n'êtes-vous pas le responsable de la politique gouvernementale dans le domaine de la justice? Monsieur le Président de la République, n'avez-vous pas l'obligation constitutionnelle de veiller à l'exécution de la loi? Quel est donc cet État qui reste indifférent à l'assassinat d'un bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions? Qui est donc cet État qui permet à un agent force de l'ordre d'assassiner un étudiant dans les locaux même d'une faculté publique parce qu'il dit non à la violence et oui à l'éducation? Quel est donc cet État où l'on massacre des citoyens dans leur quartier? Quel est le nom de cet État où l'on met le feu à un bâtiment universitaire et où on brûle la ligne? Mais enfin, où est donc la justice en Haïti? Où la rend-on? Dans quel lieu? Devant qui et au nom de quoi? Chaque citoyen qui demande que la loi soit respectée est automatiquement traité par les pouvoirs en place comme un impérisseur qu'il s'agit d'abattre. Mais fini, responsable d'État, apprend décret sous décret comme si c'est eux qui remet la loi passer tout le monde. Chaque citoyen a le droit d'élever la voix pour exiger le respect des droits fondamentaux. Nous ne pouvons pas camper garder ça. Nous ne pouvons pas jamais vague. Nous avons contre impunité. Pour tout le monde égal et égaux devant la loi, pour tout citoyen jouer une justice. Nous voulons justice pour mettre mon Ferrier d'Orval. Justice pour étudiant Grégory Saint-Hilaire. Justice pour tout citoyen qui tombait en bas assassin. Voilà, c'était bâtonnière AIA, maître Marie-Suzy Le Gros, dans l'occasion de Macha. Quelques avocats et l'autre citoyen qui était présent dans Macha, c'était étudiant tout. Et puisque étudiant qui a fait manifestation, solidarité concernant le crime ça qui fait sous Grégory Saint-Hilaire, la police t'a empêché de manifester, mais t'a gagné l'autre qui t'a protégé avec manifestation et avocat t'a fait, il n'a pas mettre de l'eau dans la bouche pour dénoncer crime qui fait sous mettre mon Ferrier d'Orval là, pendant tout profiter de justice dans fait travail et puis yo dénoncer impunité qui c'est principale garantie tout criminel qui l'a gagné dans le pays d'Haïti qui a bénéficié du système impunité a yo connaît yo doit faire n'importe crime rien pas privé yo c'est ça que fait y a marché tout le monde comme ça et n'attendez quelque dans yo te parler comme ça dans micro Vladimir Maurice Hidoué. C'est mon dictature voilée encore, non? Mon dictature déclarée égale pile haïtien authentique qui était gourmé, justement pour ne pas connaître moment ça, époque ça, même tourner là-dedans encore. Avocat, yo, parfait. On va continuer à exiger justice pour bâtonnier d'Orval. Nous connaissons ça parce que nous connaissons Jovenel, Jovenel avec toute madame ni, qui complotait, qui assassinait bâtonnier, mon Ferrier d'Orval. Mais qu'on y a là, lui,
continuer à poser des actions pour éliminer le quartier populaire, aspect ou assassinat. Le quartier populaire, étudiant, université, et notre continuement de justice. Justice pour M. Dorval, justice pour Pepe Matisson, justice pour Pepe dans Cité Soleil, justice pour Bel Air, justice pour Pepe Bel Air, justice pour étudiants dans l'université, à bas dictature, à bas dictature. Justice pour M. Et bien par rapport avec M. Dorval, tout le monde connaît qui était assassiné jeudi 28 août 2020. Nous croyons vrai, même si il y a des obstacles, mais nous déterminer nous-mêmes avocats pour mémoire M. Dorval, pas passer comme ça pour M. Dorval jouer une justice, pour définitivement gagner commission internationale indépendante là, qui est installée ici. Et avec la justice. Allô, la justice nous parle, nous tout en danger. C'est justice n'a demandé. C'est justice n'a demandé. Ou bah ouais, nous tout en danger. C'est justice n'a demandé. Ou bah ouais, nous tout en danger. Allô la justice, allô la justice, allô la justice, nous pas ouais, nous tous menacés. Allô la justice, souvent a crié, c'est Jovenel qui fait ça, nous pas ouais, nous tous menacés. Souvent a crié, c'est Jovenel qui fait ça. Ah, c'était manifestation conseil l'ordre avocat porte-presse t'ai fait et je ne jeudi à pour demander justice pour bâtonnier et Dorval, manifestation, et d'après sa reporter, nous avons constaté que deux vite machines et services d'État qui étaient écrasés, une machine service d'État qui boulait dans la zone toujours, quelques protestataires étaient voyés wash sous quelques entreprises, parmi eux, BNC, Akiyoun, un local ministère, un annexe, local ministère éducation nationale, et d'après sa reporter, nous précisé. Sous crime qui fait sous Grégory Saint-Hilaire là, professeur Antoine Augustin, qui parmi est professeur depuis samedi, te si on note pour dénoncer crime ça, il fait qu'on n'est pas gagné à ton dans un gouvernement ça qui illégal, qui illégitime, et vos messages by peuple haïtien. Et li dans interview ça, journée jeudi, li dénoncer crime ça qui fait dans l'école normale supérieure, professeur Antoine Augustin. Dans l'interview de Radio Kiskeya journée jeudi a et mandé tout pour gagner plus et structuration dans mitan étudiant yo ak nan mitan professeur yo li profiter de événement tragique ça pour demander organiser tête au bien dans quatre batailles collectives y a mener pour capable effectivement river gain force et pour capable changer système nan et débarrasser pays a de équipe ça qui nan tête li n'attendé professeur Antoine Augustin dans micro Laurie Lujeune pour alerter conscience opinion nationale. On dit ça cap développer là extrêmement grave et que tout monde qui silencieux fermé nous dit ouvrez nous. D'abord, n'a constaté instrumentalisation du chaos à l'intérieur d'une logique de violence, d'une violence aveugle qui a passé par monde mais d'une violence orientée. D'ailleurs, assassinat de Dorval, bâtonnier Port-au-Prince là, c'est déjà un signal qui montre ça. Mais cruauté qui accompagne assassinat étudiant école normale supérieure, son signal qui montre nous que non seulement un groupe monde qui bat au droit de vie et de mort sous monde
Et ça, société va de prendre. Si société a continué à faire un gel, il pas dit rien, pita pitrice, en pile fois, nous avons eu l'occasion de parler de climat général, de désorganisation société qui est installée, que nous la stabilisation du chaos. Là maintenant, c'est instrumentalisation logique chaos, mais sous fond de violence. Nous avons eu l'occasion de chercher dans l'arrière, qui a marché, manger le monde. Crime a fait grand journée, belle, si mon a tombé, forme en cette. Mais c'est vrai, ça, vous comprenez, c'est système qui a décomposé. Et dans la décomposition, la voix est pied, la voix est coup de patte. Pas de monde qui a fait panier. Si moun tombe, grand moun tombe, étudiant tombe, intellectuel tombe, si machin tombe. Mais faut société, mes amis, réveillez pour société. Son mot, faut société. Même pas même vous demander justice, enquête d'une part, justice et réparation pour Grégory Saint-Hilaire. Mais tout, pour tout étudiant école normale, bibliothèque qui est incendiée, donc son attaque contre l'éducation, contre la culture, contre la science. Et bagay ça. Libre là, c'est un bagage qui doit interpeller nous. Moi, vin là, en plus, je viens faire solidarité avec professeurs, étudiants, école normale supérieure, mais en particulier avec parents, amis, frères et famille Grégory Saint-Hilaire qui a assassiné dans la condition. Ça, dans une enceinte, une entité universelle de l'État d'Haïti, qui c'est école normale supérieure, nous pas qu'à prendre ça. Mais t'es déjà allé à tes sociétés déjà. T'es dit attention, en pile monde t'es fermé géo. Jodi à cette occasion pour dire étudiants, suspend faire des bagages isolés. C'est chita concerté. Faut mobilisation nous inscrit dans logique tout qui sont logiques dans l'autre pays dans l'autre société. Faut mobilisation nous porteur d'un projet, un projet alternatif de société. Ça veut dire qui ça? C'est pas un bagage émotionnel pour qu'a fait là. C'est bon ben on, comme c'est expression d'une colère individuelle. Oui, nous blessés dans sans nous. Oui, quoi fait nous mal? Oui, mais il doit bail occasion pour nous organiser nous, structurer nous, monter son relais, la confédération des étudiants pour aller exprimer une parole qui charriait en même temps une revendication, droit de rébellion, droit de révolte, mais il charriait tout une proposition pour l'autre pays que nous devons bâtir pour nous. Parce que Grégory qui mourit à s'étudier, il a étudié. Il a étudié pour qui pays? Il a étudié pour Haïti. Il était au Chili. Il était au Brésil. Non, il choisit d'être là pour le bataille, pour le faire, pas l'éducation. Parce que moun qui fait école normale supérieure, c'est moun y a formé pour aller former moun. Donc, ça veut dire que Grégory était choisi pour l'étudier, pour servir Haïti, pour servir pays, pour servir famille. Et nous pas qu'accepter ça passer comme ça. Donc, c'est ça me dit, oh, c'est pas répondre de cette manière, faut répondre de manière organisée, structurée, pour qu'on bataille collective qui fait, parce que finalement, nous, on doit rendre compte, ce système ça, pour nous changer, parce que système ça, générateur de la mort, générateur du désespoir, générateur de la souffrance, de la misère, et c'est libre pour nous changer. Faut revendiquer cette mobilisation, inscrire nos perspectives globales, nos perspectives plus larges, qui c'est mobilisation pays à peuple là pour débarrasser de régime ça et pour nous faire un pays qui pour nous. Professeur Antoine Augustin, professeur dans l'Université d'État d'Haïti, concernant dernier crime ça, nous fait recevoir notre sac sorti dans le ministère de la Justice, qui peut être date jeudi d'ailleurs, concernant la mort et dit décès étudiant Grégory Saint-Hilaire, mais c'est assassiné. Et ministre là-même. Ministre Justice et Sécurité publique là dit il regrette crime ça et qui fait sous étudiant homicide ça qui fait sous Grégory Saint-Hilaire en dedans l'école normale supérieure li voyer sympathie il dit en pile sympathie très profond bay parents victimes non bay tout monde qui proche li et bay toute communauté étudiant à universitaire ministre informer population. Il y a une enquête criminelle qui déjà lancée et c'est paquet Port-au-Prince qui l'ouvrit et côté li passé direction centrale police judiciaire instruction et pour enquête ça et en main maître Rockefeller Vincent et c'est notre qui parle toujours bail garantie ferme bail parent Grégory Saint-Hilaire bon gens garanti yo même qui en bas gros épreuve ça journée jodi a et dans situation difficile de trouver OEA, il fait qu'on ait crime ça et qui c'est un crime en plus qui trop qui commette dans condition qui est lâcheté, il pas prêté sans pas puni. C'est garanti ça par famille Grégory. Autorité la justice dans sens ça yo passé instruction pour yo pas dans mise à des dans route avec diligence mais de façon efficace pour travail sous cas ça, Lidi qui intéressait gouvernement nan pi au point et c'est Rockefeller Vincent avocat ministre justice qui signe notre ça.
Yon coup de pied dans la province, on va nous faire l'autre campé, qui a mené nous au Cap Haïtien. Côté mouvement protestation qui a organisé journée jeudi, avocat dans la juridiction au Cap Haïtien pour boycotter cérémonie ouverture année judiciaire. Et peut-être une décision CSPJ prend et pour mettre Maître Ralph Prévost comme doyen à un tribunal civil. Là. D'après sa correspondant, nous, Gérard Maxino, fait connaître. Avocat dans la juridiction Cap Haïtien lancé jeudi lundi 5 octobre 2020 yon mouvement protestation contre membre Conseil supérieur pouvoir judiciaire parce que yon renouvelé confiance yon nan juge Jean-Raph Prévost comme doyen AI paquet tribunal civil au Cap là. Avocat protestataire ont empêché ouverture année judiciaire et te fermé porte tribunal civil section sud là avant yon t'al fermé porte paquet tribunal civil au Cap là. Batonier l'autre avocat au Cap là, Maître Harold Chéri a expliqué. C'est pour dire pas d'accord avec l'autre que CSPJ te fait sortir. Dans d'accord, que CSPJ dit, l'a toujours conservé doyen Ralph Prévost à I. Ah, vous avez déjà contesté ce choix. C'est maître Ralph Prévost, il n'est pas doyen. Il n'a pas jamais ça. Mais qui te bat, c'est pour nous. C'est pour nous. Si il y a un ça pour en corriger, nous allons prendre la parole. Nous n'avons jamais accepté. Badonien, qui ça nous reproche, maître Prévost? C'est un affaire qui est classé déjà. Vous n'avez pas nous tourner nos affaires. Vous avez déjà dit non. CSPJ comprend, oui, passer nous en Parisie. Il vous dit que le tribunal n'est pas pour lui. La juridiction. La juridiction tout autant que. Pas gagné, on ne peut pas gagné. Qui ça nous fait aujourd'hui à nous aller dans. Nous ne pas quitter coup d'appel. Faire cérémonie d'ouverture. Nous fermer tribunal de paix section sud. Nous venons fermer ici. Là, vous devez fermer. Matière, donc on fermer l'autre matière. Mais dans notre commune, le tribunal a fonctionné. Bon. Mais depuis, c'est au cas. Donc, tout tribunal qui est au cas, c'est pas fonctionné. Donc, c'est pour nous protester contre notre que René Sylvestre, qui est président de CSPJ, sorti dans la date, fait sortir dans la date 1er octobre. Donc, c'est comme si René Sylvestre a déclaré nous la guerre. Depuis qu'il est en grève. Est en guerre contre le CSPJ, représenté par René Sylvestre. Et dans le mois de mai, nous fermons cette décision nous, jusqu'à ce que ça nous plaît à irréaliser. Faut signaler, yon mauvais sang t'a empêché ouverture année judiciaire d'un coup d'appel au Cap là. Chira Maxino, depuis Ville Cap Haïtien, pour Radio Kiskeya.